Patrick David, là, je vous dois, après la projection du film Chiara, de Carpignano, Jonas Carpignano. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous venez faire, vous, en tant qu'animateur de Ciné-Club à Aix-les-Bains? Président de l'association Cinéphile. Je voulais voir le film parce que, avec mon équipe, on l'a repris dans le cadre de la reprise de la quinzaine des réalisateurs, une opération qui a lieu chaque année depuis, 8-9 ans par là. Et donc, c'est un film, évidemment, que j'avais vu à la quinzaine. Je ne me permettrais pas de choisir un film que je n'ai pas vu. Donc, je constate que le film est très bon. Enfin, bon, je veux dire, c'est le dernier volet d'une trilogie de Carpignano. Je n'avais pas vu le premier, Mediterraneo. J'avais vu le deuxième qui était déjà à la quinzaine. Il me semble que ça s'appelait Casa, mais je ne suis pas sûr. Et donc, c'est dans la continuité. Le film est excellent. Qu'est-ce qu'une association de cinéphiles trouve ici au Festival de cinéma italien? L'association de cinéphiles, en plus, j'estime que je ne suis pas le mieux placé pour en parler, puisque maintenant je n'habite plus à Annecy. Je me suis déplacé ce matin pour voir le film afin de le présenter à Aix, film que j'avais vu encore une fois à Cannes, mais je n'ai pas vu les autres films, donc je ne peux pas. Mais de toute façon, tout festival est bon à prendre et il y a énormément de festivals italiens en France parce que ça répond à une demande. Dernière question, on est ici en Savoie, Savoie-Haute-Savoie, oui. Ça a des liens étroits avec l'Italie. Oui. Aujourd'hui, comment vous percevez le cinéma italien? Je le perçois, moi je suis toujours fixé sur... grands classiques. Oui, je faisais la liste l'autre fois, et entre 1945 et 1975, le cinéma italien c'est le meilleur du monde, avec le français bien sûr. Les Rossi, Rossellini, Visconti, Pasolini, bon ça reste ma base. Moi, je suis né en 1954 et donc ces cinéastes-là, ils m'ont nourri, ils ont nourri ma cinéphilie. Et aujourd'hui, vous ne retrouvez pas cette nourriture, cette alimentation? Disons qu'il y a un petit potentiel, il y a certains films, dont celui-là, qui sauvent un peu la mise par rapport au cinéma italien. Mais bon, des grands, des immenses réalisateurs, comme encore une fois Visconti, Fellini, on ne va pas refaire la liste. Il y en a qui surnagent un petit peu. Bon, évidemment, on pense tout de suite à Moretti. Il y a un cinéaste italien extraordinaire. C'est Fra Martino, d'après celui... Enfin, je ne me rappelle plus, là, j'ai paralysé ma leçon, parce que vous me prenez au débuté. Fra Martino, un cinéaste qui a été primé deux fois à Annecy, qui avait eu le Grand Prix à Annecy il y a une quinzaine d'années, du temps de Jean Gilly, que je tiens à saluer, d'ailleurs. Voilà. Mais dans un festival, sur une semaine, forcément, on trouve des choses. Des pépites. Bah, bien sûr, c'est sûr. Et de toute façon, c'est très très bien qu'à Annecy, il y ait le festival italien, il y ait la Biennale du cinéma espagnol, il y ait les images hispano. Je pense aussi à mon ami Raoul Rodriguez, qui a été pendant 20 ans le délégué général de la Biennale. C'est très bien. Hein.